Appelle Dylan. J'appelle Dylan Morin. Il est malade, on va t'appeler alors qu'il est malade. Il est malade là ? Il est. Là, il est en train de faire la décision. Aïe aïe. Bon, mais pas de suite, bisous. Oh là 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 là, les gars. Vous entendez ce qui arrive là ? Est-ce que vous entendez ce qui arrive ? On va aller voir ça. Oh le bordel. Ça va ou quoi ? Ouais, je t'ai entendu. T'es parti de chez toi, je t'ai entendu. Ça va ? Oh là 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 là. Non mais c'est trop hein. Ah mais elle est full équipée hein. Ouais. Tu vas voir celle-là quand tu vas essayer. Ah bah rien que, hey, moi je suis à 47 hein. J'ai regardé sur internet, j'ai vu 115 chevaux, je fais ah. Oh là là les gars. Oh. Bon déjà j'espère que vous allez bien. C'est pas capac. Et aujourd'hui on va tester une MT-09SP. C'est parti. Bon les gars, présentation de la MT-09SP, tu le vois là, écrit ici mon pote, du pilote Max. Alors c'est un délire, je l'ai conduit, c'est n'importe quoi frérot. La ligne mon pote, SC Project, complète, mais avec le kata et une espèce de flûte tu m'as dit. Il y a un pare-feu et il y a un réducteur de bruit à l'intérieur. Voilà. Autant te dire, c'est n'importe quoi. Et du coup, bah, en fait, il la vend. Je te laisse expliquer toutes les modifications que tu as fait dessus. Et après, on parlera pour le contact si jamais voilà, il y a des gens qui sont intéressés ou quoi. Alors pour les modifications qu'il y a eu dessus, il y a eu les clignotants LED plus avant et à l'arrière. Tu as les clignotants ici, tu as les feux arrière qui s'allument en même temps. Ça, c'est bien ça. Ah, ils s'allument en même temps que ça. Voilà. Ah, ça, c'est bien ça. D'accord. Et du coup, à l'avant, j'imagine. À l'avant, c'est pareil. Ah, bah c'est, du coup, c'est ici. Ok. Là, t'as les feux de jour. Ah ouais, ça c'est bien ça. Que je t'avais pas montré aussi, c'est ça? Ah oui, ça c'est pas dégueu ça. Donc ça c'est des additionnels, ce qu'on appelle. Ouais. Donc t'as la cage qui vient se mettre sur les fourches. Ok. Avec les vis. Ouais. Et après tu peux régler, non, ils appellent ça des anti-brouillards, mais moi c'est des additionnels. Ouais, ça fait un bon, en fait, ça fait une belle gueule quand même. C'est ça, et ça t'a l'élargie. Ouais. Tu sais, en bas, ouais. Et en vertical. Ça, c'est, bah, ça fait vraiment une belle gueule hein. Attends, tu veux mettre ça aussi? Ah ouais, mais là, mais t'as combien? Là, t'as 6 feux, frérot. 6 feux avec la LED qui Oh ouais, là c'est propre là. Tu voyais mieux avec celle-là qu'avec ma voiture. Ah, je te jure. J'ai rajouté aussi les diabolos à l'avant. Ouais. Ces petits trucs. Ouais. Et tout a été mis par Yamaha de toute façon, donc moi j'ai rien touché. Ah, donc ça c'est bien ça. Au moins, voilà, ça a été fait par un professionnel. Voilà. T'as pas bidouillé si un truc rentrait pas ou quoi? Je l'ai acheté, elle sort. De chez Yamaha, donc j'ai tous les papiers qu'il faut. Ça c'est pas dégueu ça. Sport de plaque court. Ah il est beau. Et pourquoi pas celui-là qui était contre roue là? Non j'aime pas. Franchement j'aime pas. J'aime bien les courts. Ouais. Bien les commandes. Les commandes? Les commandes reculées ils y sont par contre. Ça c'est bien ça. Les commandes reculées. Ah, et j'ai rajouté aussi les calepiers qui sont. Ouais. Même tempo. Ça c'est ouais, ça c'est vrai que. Enfin il y a ça aussi ouais, donc ça c'est bien. Protège carter. Yamaha ils m'ont mis ça. Barracuda levier, ils sont beaux. Barracuda, ah, ils sont la beaux. Bulle Air Max. Ah ouais, la bulle elle donne un petit style. Franchement, elle donne un petit style. Ouais. Et sinon, pour te contacter, c'est où? Me contacter, il y a sur mon Insta que je donnerai à Paika, soit. Bon, après, je le mettrai là sur la vidéo, hein, il sera tout le long de. Soit on mettra le lien directement sur la vidéo. Bah, on mettra, tu sais quoi, on mettra l'Insta sur la vidéo et le lien dans la description. Au moins, il y a les deux. Ouais. Et voilà quoi, c'est tout beau, c'est tout propre. Dans la description, il y aura le lien sur le site sur lequel il est mis en vente. Et sur la vidéo, vous aurez son Insta pour voilà, si jamais il y a des intéressés de MT-09SP. Parce que c'est pas une MT-09, c'est une SP. Hein. Tu vois, c'est écrit SP. Et comment tu vas être raisonnable avec ça?
Enfin bref. Donc voilà, si jamais vous voulez le contacter, l'Insta il est toujours là. Le lien dans la description. Et sur ce, elle commence à se refroidir un peu, je trouve. Non, on va aller rouler. Hein. Donc bon, Bon, on va tester le... Déjà, rien que l'assise. Ouais, hey, tu vas voir, t'es haut là-dessus. Hein. Fou. Oh là là. Oh les gars, première fois sur une MT-09 SP. Oh là 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 là, c'est un délire. Par contre, t'es bien. Qu'est-ce que t'es bien? C'est léger, c'est léger, t'es là, t'es tranquille, ben. Oh là là, je sais pas comment tu peux garder ton permis avec ça. Ça lève en 5. Mais wesh, mais c'est quoi ce bail? Oh le bruit. Oh le bruit. Mais ça fait des pac-pac mais de partout frère. Oh, oh c'est n'importe quoi. T'es conscient que ta moto c'est n'importe quoi? Et tu vois la petite bosse là-bas là? J'ai jamais pensé de ma vie qu'elle allait décoller. Non mais attends, j'ai regardé le compteur, je fais non mais à cette allure là, c'est pas possible. Et là, avant la bosse, il y avait une petite bosse, ça a fait un wow. Et après la bosse, ça a fait un wow. J'étais pas bien. Attends, j'ai pleuré. Je te jure, mon œil, il a versé une larme. Par contre, le frein arrière est sur toutes les MT. Hein. Ouais, c'est abusé, c'est de la merde. Ouais, enfin, c'est pas que c'est de la merde, mais tu sens même sur la MT de mon pote, tu sentais que le frein arrière, il... Je savais même pas pourquoi il était là en fait. Oh là là, c'est... Hop, 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 hop. Les gars, si vous êtes en full et que vous voulez tester ou prendre une moto qui soit joueuse, qui soit maniable, franchement, c'est un compromis cette moto. C'est encore merci au frérot de me la laisser tester parce que voilà, il me fait confiance, c'est vraiment sympa de sa part. Comme moto en full pour permis A, c'est n'importe quoi. Cette moto, elle est juste au top. Franchement, si j'étais en full. Et que le frérot il la vendait et que. Enfin il la vendait et que j'étais en full mais je serais passé sur ça direct.
Damien est en fond de poignée, c'est la première fois là. Oh le bordel! Du coup là on va aller un peu en ville vite fait, voir ce que ça donne. Hop 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 hop. Parce que bon là on était un peu dans la campagne donc forcément bon c'est bien la campagne à personne tu vois. Mais en ville voir ce que ça donne, la maniabilité et tout ça. Ça a battu l'arrière mais je suis mort. Oh le bordel. Oh le bordel! Regarde-moi ça, comment c'est maniable! Ça bouge pas, frère! Ça bouge pas! Ça bouge pas, c'est abusé! Y'a pas d'autre mot, ça bouge pas! C'est. Aïe aïe aïe! Le petit chat qui traverse au camp des familles là. Ah oh, il m'a tué le chat. Ah oh, je suis mort. Encore merci frérot, c'est abusé. C'est la première fois que je teste une moto en full. C'est la première fois que je teste une moto qui lève en je sais pas combien. C'est un délire ce machin. C'est une dinguerie, il n'y a pas d'autre mot. C'est une dinguerie. Oh là 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 là, commandé au McDo avec une MT-09. C'est n'importe quoi. Non mais c'est... Non mais attends. Ça a l'air bien de te faire plaisir. Oh mais c'est même pas... Là c'est... Oh là 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 là. C'est... À un moment j'ai eu une érection. En plus à chaque fois je te vois lever comme un salaud. Bienvenue, je vous écoute. Hein. Oui bonjour. Oui. Je vais vous prendre une boisson, enfin un Sprite s'il vous plaît. Un grand Sprite? Non, un moyen ça ira. Un moyen Sprite avec ceci monsieur? Tu veux quoi boire? Oh, t'inquiète, j'ai mes trucs déjà. Mais t'as quoi? J'ai une bouteille d'ici. Ah, bon, ben c'est ça sera tout. Ça vous fera 3 euros prochain guichet, s'il vous plaît, merci. On arrive. Bonjour. Bonjour, ça vous fera 3 euros, s'il vous plaît. Ouais, vous avez vu le bolide? Elle est belle, hein. Bon, pas très bavarde. Ah, je te jure. C'est pour moi, mais est-ce que ce serait possible d'avoir juste un petit sac? Si possible. Au top. Merci à vous. Au revoir. Bon là on va un peu en ville. Ouais. Vas-y. Attention. Oh. Madre mia. Ah et ce bruit. Oh là 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 là. Ah, et ce réservoir là. Oh là là. Eh, un petit cul à claquer là, comme ça là. Rac tac 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 tac, comme ça là. Ton pot d'échappement, c'est n'importe quoi. Ton pot, écoute-moi bien. Je descends un rap, rap, pap, pap, pap. Je redescends un rap, rap, pap, pap, pap. Il s'arrête jamais. Oh, c'est n'importe quoi. Ah, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Oh le gamin quoi. Got you know, pump it up. And got you pump it up. Je pense que je vais rester sur une 50 en fait. Parce que clairement ça, c'est pas pour moi. C'est pas... Non, je peux pas. Tu veux que je te dise quoi moi? Je peux pas. C'est trop. Comment tu veux rouler tranquille avec ça? C'est pas possible. Ah franchement, décrire cette moto en un mot, c'est... Je cherche le mot, tu vois. Ils ont même pas inventé le mot, frérot, pour décrire cette moto. Je te jure, c'est n'importe quoi. Ça penche tout seul, mais ça penche tout seul, mais... Oh là 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 là. Encore merci aux frérots, enfin c'est... Avoir une communauté comme ça. Oh là là. Oh.
le délire. Oh là 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 là, ce bordel, mais ce bordel. Oh là là, mais j'en pleure. Je te jure, frérot, j'en pleure. Au moins, t'auras une série. Ah, c'est même pas, mais là, c'est une cacahuète, ça. Monsieur, monsieur, revenez. Oh le bordel. Bon, bah écoute, encore merci. Et rentre bien. Ciao, ciao. Wouhou. Oh là là, ça avance pas. Bon, enfin bref, c'était Paika. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et ben moi, je vous dis sur ce, à la prochaine. Hein. Prenez soin de vous. Et encore merci au frérot qui repart là-bas. Sa moto, elle est... Elle est juste magnifique. Merci encore d'être là. Vous êtes au top. Et voilà. Gros bisous. Et... des bisous.